Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live, le dernier live avant Noël. Salut Xavier, j'espère que t'as passé un bon week-end, que tu t'es bien reposé. Moi, je suis content d'arriver en live. Content d'arriver à la fin du week-end. C'est toujours un bonheur quand même, malgré tout. C'est toujours une joie de voir arriver maintenant le dimanche soir. Hey, salut Dashi! Ça faisait un bail, dis donc. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end aussi. Ah, alors, ce soir, on va faire la deuxième partie sur LibreNMS. Dimanche dernier, j'avais fait un premier live avec juste l'installation. Et donc, je vais vouloir rajouter des machines aujourd'hui dans le LibreNMS pour qu'on voit plein de jolis graphes. Pour ne rien vous cacher, il y en a même déjà quelques-uns. Petit week-end sympa pour Xavier. Ah, ça c'est cool, c'est bien les petits week-ends sympas. Bon, on va se remettre tout de suite dans le vif du sujet, hein. C'est-à-dire que je vais passer hop, sur cette petite vue. Alors, vous voyez qu'entre-temps, j'ai installé une autre machine qui a l'air d'être un petit peu plus réactive, hein, au niveau du navigateur web. J'avais galéré un petit peu la semaine dernière, je ne sais plus pourquoi. Peut-être parce que c'était GNOME, le desktop manager sur la VM. Et comme vous pouvez le voir, je suis déjà connecté sur. Alors, si je reviens depuis le début, hein, on va faire ça depuis le début. Hop, je vais me déconnecter. Je me reconnecte. Si je vais dans All Devices, là, on voit qu'il y a des trucs. Déjà, il y a des catégories. La semaine dernière, j'avais laissé juste, je crois, le Firewall, je crois. Je l'avais mis, si je me rappelle bien. Et j'avais juste installé sur le firewall, vite fait, j'avais rajouté un plugin pour gérer NetSNMP. Hop là. Et donc pour gérer NetSNMP. J'avais donc installé ce petit plugin. Alors je l'ai mis en SNMP V2 ici, mais on pourra envisager de passer en V3. Ensuite, pour préparer un peu le stream de ce soir, j'ai rajouté, non pas une, mais 5 des 6 routeurs, qui sont donc les routeurs VIOS. Donc on a déjà des petits graphes. Et donc je vais commencer par rajouter le sixième. En allant déjà en fait piocher dans une anti-sèche, à savoir tout simplement la console locale. Hop. Alors, je sais que ça va pas être très. Est-ce qu'on peut monitorer une Livebox V5? Alors c'est une excellente question. J'ai comme un doute. Je ne demande qu'à me tromper, mais j'ai comme un doute. Pourquoi est-ce que j'ai un doute? C'est que la plupart des comment dire des routeurs j'ai envie de dire des routeurs des modems routeurs voilà c'est ça la plupart des modems routeurs grand public les box typiquement n'ont pas généralement le SNMP. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que si t'as pas le SNMP, selon la techno de métrologie que tu vas utiliser, soit c'est HS parce que bah tu peux pas faire autrement, soit tu vas être obligé d'y aller avec un système de un autre système. C'est-à-dire que en gros, moi je sais que j'avais réussi à une époque à graffer des données sur une Freebox. Hey, bonsoir Haribo. J'espère que t'as passé un bon week-end. Bienvenue sur le live. Je sais que sur une Freebox Révolution,
Donc ça date quand même un peu. J'avais voulu graffer des informations. Et en fait, j'y étais allé à grand coup de cœur, là. En gros. Genre login à l'arrache sur la page web et récupération d'informations dans les pages. Scrapping en mode goré, quoi. Alors aujourd'hui, si je devais refaire, je pense que j'essaierais d'utiliser un truc du genre Python request, un truc comme ça. Mais à l'époque, j'y étais allé en mode goré, curl à l'arrache. Donc si ça se trouve, il y a peut-être moyen, en allant scraper la page d'admin, d'aller récupérer des infos. Si on ajoute un device ici et que je fais add device, a priori, à part SNMP, j'ai pas trop le choix. Donc pour ce qui est de LibreLMS, ça va être compliqué. Moi, à l'époque où j'avais fait joujou avec la Freebox Révolution, je crois que je m'étais installé un Cacti. Et Cacti permet, je crois, de faire autrement qu'en SNMP. Il suffit d'avoir un script et qui renvoie des données. Et pour peu que le format des données plaise à Cacti, tu peux faire des graphes. Donc ça peut être une technique. Bien. De toute façon, moi, je vais vous rajouter une machine. Alors là, j'ai ma petite anti-sèche, puisqu'on va faire du SLMP V3. Et on va le faire sur le routeur ISP6. Hop là. Alors, je... Alors, ce qu'on va peut-être faire, c'est que, histoire d'éviter d'être dérangé, hop. Hop là, voilà. Pop. Tu faisais comme ça pour la Freebox. Ouais, voilà. Tu fais pointer le SNMP ailleurs et un script custom. Voilà. C'est exactement ça. Bien. Alors, allons-y. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre comme ça sera un peu plus gros, vous verrez mieux. Et on va se connecter sur le routeur. Voilà. Ça s'en va. Et là, j'ai ma petite anti-sèche. Hop. Alors, le principe, c'est qu'on va déjà commencer par se mettre en mode de configuration sur le routeur. Ensuite, hop. Ensuite, je vais pouvoir commencer à éditer la configuration du routeur. Donc, on va modifier un service. Donc, on va faire un set service. On va aller taper dans le SNMP. Alors, je mets un truc bidon. Hein, pour l'instant, je mets juste l'information de contact. Et puis, après, on va modifier ce qu'on appelle la location. Donc, qui indique où est l'équipement. Alors, pour l'instant, je mets HomeLab. Mais je ne m'interdis pas plus tard de modifier cette information. Ensuite, j'ai remarqué que quand je suis allé chercher la manière de configurer SNMP sur VIOS, il réclame, quand on fait un service SNMP en V3, un engine ID. Hop, V3, engine ID. Tac. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Ah oui, c'est pour ça que je le faisais en serial, c'est que ça me permettait de le copier-coller plus facilement. Parce que là, j'ai combien de zéros? Je vais essayer autrement. Si je mets juste 0,1, il est content ou pas? Non, valide. Comment ça, service V3? Ah, c'est parce que j'ai oublié le mot SNMP. Ah, et en plus, il y avait un truc à la con. Commence bien ce soir, hein? Voilà. Bon, 0,1, ça suffit. Tant mieux. Ensuite, alors, je pars un peu direct comme ça, à fond dans comment dire, dans le sujet. Mais j'explique pas trop, en gros, qu'est-ce que c'est qu'SNMP et qu'est-ce que c'est qu'SNMP V3 en particulier. Donc je vais prendre un petit instant pour ça. SNMP, ça veut dire Simple Network Management Protocol.
Donc c'est un protocole qui permet d'interroger et de manipuler des équipements réseau à la base. De façon bah, d'une part à récupérer des informations de supervision et de métrologie, voire même parfois de faire quelques interactions de type administration. Donc on peut envisager de redémarrer un équipement via SNMP par exemple. On peut l'interroger, on peut le reconfigurer via SNMP. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais faire en sorte que la machine soit accessible en SNMP, enfin le routeur soit accessible en SNMP, mais je vais lui mettre une configuration qui sera une configuration dite read-only, donc lecture seule. Je veux récupérer des informations sur cette machine en SNMP, mais je ne veux pas agir dessus, je ne veux pas la modifier. Je veux pas faire d'action dessus, je veux juste récupérer des informations. Ce qui est intéressant aussi avec SNMP, c'est que généralement, il tourne en UDP. Donc c'est relativement léger comme protocole. Le protocole SNMP a évolué au fil du temps. Il y en a trois versions. Alors la V1 que plus personne n'utilise, la V2 qui a eu des révisions, on appelle aujourd'hui la V2C, et la V3. Et cette V3, qu'est-ce qu'elle apporte ? Et bien en fait, elle apporte des trucs qui manquaient vraiment cruellement dans la V2. La V2, grosso modo, on avait ce qu'on appelait un concept de communauté SNMP. En fait, c'était juste une sorte de, d'identifiant déclaratif pour pouvoir avoir certains droits. Donc on avait, généralement, on parlait de la communauté publique. Pour avoir un accès, on va dire invité. Et ce qui se passe, c'est que il n'y avait pas de notion vraiment d'authentification, voire même de chiffrement. Et la V3 du protocole SNMP, elle apporte ça. Elle apporte de l'authentification et elle apporte du chiffrement. Alors certes, c'est peut-être pas le truc le plus, bulletproof niveau chiffrement. Si ça se trouve, il y a peut-être moyen de casser les trucs. Mais il y a moyen de créer différents utilisateurs avec différents droits et de faire en sorte que les communications SNMP ne soient plus en clair par défaut, ce qui est toujours ça de prix. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais configurer dans mon service SNMP V3 sur mon routeur, je vais créer un groupe, qui va être le groupe par défaut, et son mode sera RO pour read-only. Et on va ajouter dans ce... on va créer une view qui sera default, justement, pour pouvoir assigner le read-only au default. Ce qu'on va aller faire aussi, c'est que on va aller taper au niveau des ce qu'on appelle des OID, puisque le principe de SNMP, c'est qu'il a une hiérarchie en ce qu'on appelle des identifiants qui s'appellent des OID. Il me manque un truc. View, j'ai dit. Hey, merci pour le follow, Cortana, bonjour. Pas de soucis, Xavier, à plus tard. Merci pour le follow, Cortana, bonjour. C'est très gentil. Où est-ce que j'en étais, moi ? C'était pas groupe default, c'était la vue. La vue par défaut qui... Je disais quoi ? Ah oui, SNMP V3 view. Alors, est-ce que la view default, je peux la mettre dès maintenant ? Hop, OID. OID 1. Voilà, je peux. Et donc, en fait, cette hiérarchie par OID, ça permet justement de pouvoir limiter les droits. Et alors, si je regarde... ici, on revient là. Je sais plus si, à un moment, on peut voir les OID dans les machines. Si, voilà. Donc, vous voyez, là, il y a une suite de numéros. Je vais augmenter la taille des textes. Là, il y a une suite de numéros. Ça, c'est les OID. Donc, je les connais pas par cœur. Je sais pas exactement à quoi correspond quel numéro. Mais voilà, ça fait une suite de numéros et ça permet de récupérer de l'information.
Donc, il y a un identifiant pour telle carte réseau, un identifiant pour telle autre carte réseau, pour le nombre de paquets envoyés, le nombre de paquets reçus, la vitesse du port, le nombre d'erreurs sur les transferts, ce genre de choses-là. Hop là. Une fois que, une fois qu'on a ça qui est mis en place, ce que je vais faire, c'est je vais en profiter pour mettre un listen address. Donc je vais indiquer au serveur SNMP sur quelle adresse IP il écoute. Parce que comme c'est un routeur, bah, il a plein d'IP. Et là, comme je suis sur le routeur ISP6, je vais le mettre sur 10.6.0.1. Je dis .0.1. Voilà. Je pense que je peux rajouter d'autres listen pour le faire écouter sur toutes les interfaces. Mais on va le faire juste sur une seule. Ça devrait suffire. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer maintenant à la configuration de l'utilisateur et à son authentification. Ce que je vais faire, donc je me mets en V3 bien entendu, je vais d'abord commencer par créer un user qui s'appelle LibreNMS. Qui s'appelle LibreNMS. Et son authentification, on va lui dire qu'elle va être en type SHA. Et notre valide. Pourquoi ? Alors, SNMP V3 user. Ah oui, c'est house type. User lib. Alors, on va faire. On revient. Hop, user libreNMS. Ensuite, authentification type. Et vous voyez, il y en a plusieurs. On peut faire du MD5, mais le MD5, c'est cramé depuis très longtemps et c'est vraiment plus à utiliser. Le SHA, alors, typiquement, SHA-1 a été cassé il y a quelques années. Mais normalement, je pense qu'ils ont, ils ont dû passer à du SHA 256. Ou pas, mais ça reste moins pire que MD5. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mettre notre utilisateur LibreNMS, on va le mettre dans le groupe default. Parce que, a priori, pour de la métrologie, j'ai juste besoin d'un accès en lecture seule. Et ensuite, on va lui rajouter un truc qui est la privacy. Qui va être en type AES. Alors, il y a d'autres types, je crois. On peut les voir, voilà, DES ou AES. DES, pareil, c'est vieux, c'est plus à faire confiance. Et il y a le AES. Alors, pourquoi il y a deux trucs? Il y a un truc authentification et un truc privacy. Donc, il y en a un, c'est vraiment pour la partie authente. Et un autre, c'est vraiment pour la partie chiffrement. Maintenant, on va se dire, bah, il n'y a plus qu'à mettre un mot de passe. Non. Il faut mettre deux mots de passe. Il faut un mot de passe pour l'authente et un mot de passe pour le chiffrement. Alors, quand on disait house type SHA, non, alors house, voilà, plain test password, et ensuite je rajoute le mot de passe. Alors, encore une fois, hein, moi c'est un lab, donc je vais mettre un mot de passe bidon qui est tout simplement password. Donc si jamais vous êtes nouveau sur, sur la chaîne, ne faites pas pareil chez vous, hein. Si jamais vous mettez entre guillemets en production un LibreNMS et des machines en SNMP, eh bien pensez à mettre un vrai mot de passe et pas juste password. Une fois que la partie authente, vous voyez, d'ailleurs c'est un petit truc amusant parce que vous voyez à gauche j'ai mon anti-sèche et c'est indiqué nulle part, si vous arrivez à lire, c'est indiqué nulle part où est la commande pour le mot de passe de l'authentification et le mot de passe de la privacy. C'est parce qu'en fait, quand il voit le truc plain test password, LibreNMS ne fait pas d'historique. Ouais, mais Dashi, de mémoire, c'est pareil, t'as un home lab à la maison, donc normalement, t'es pas sur un truc prod, entreprise, quoi. Donc, comme tu le dis, YOLO. Maintenant qu'on a fait l'authentification, bah, on fait la privacy. Donc, pareil, plain text password, et je mets le mot de passe. Une fois que ça c'est fait, il va falloir maintenant activer toute cette configuration. Oui, oui, bien sûr. Alors, ça fait partie des bonnes pratiques, bien entendu, d'avoir un réseau d'admin dédié dans lequel il y a beaucoup plus de filtrage en entrée, ce genre de choses-là. Bien entendu. Bien entendu. Mais c'est bien de le rappeler.
Donc là, je viens de faire mes modifs et si je fais normalement un show. Non. Je sais plus si j'ai pas un diff. Non. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des commandes de. Je peux faire peut-être un compare, non? Ouais, voilà. Un petit compare. Et là, on peut voir qu'est-ce que je vais rajouter. Voilà. Donc maintenant. J'ai plus qu'à faire commit. Enfin presque. Je commit. Donc j'active ma configuration. Et après je la sauvegarde. Comme ça au prochain reboot, ça fonctionnera. On va retourner sur notre machine desktop. Il n'y a pas à dire. Hein. La Fedora avec juste un XFCE, c'est tellement plus réactif que l'autre avec le GNOME complet. Alors que les choses soient très claires. Hein. Je tire pas gratuitement sur GNOME. Hein. Vous le voyez pas là, mais moi je suis dans un bureau GNOME. Ma machine principale, c'est un bureau GNOME. J'utilise GNOME depuis des années, j'en suis très content. Mais force est de constater que sur une petite VM, avec juste l'affichage, j'ai envie de dire l'affichage par défaut, j'en demandais peut-être un peu beaucoup à GNOME. Donc, maintenant, le hostname ou l'IP, bah, sera 10.6.0.1. Et là, donc c'est du SNMP. On le met en V3. On va laisser le port par défaut. Hein. On va laisser ça par défaut aussi. Maintenant, comment ça se passe pour la partie authentification? Parce qu'on a mis un utilisateur, on lui a mis même deux mots de passe. Et en fait, il faut lui dire, je veux de l'authentification et de la privacy. Donc, auth priv. Mon utilisateur s'appelle LibreNMS. Le mot de passe, je vous l'avais donné. Là, je suis en SHA. Très bien. Cette fois-ci, le crypto password. Et en AES. Parfait. Alors, je ne vais pas faire de force add, mais je fais add device. Il l'ajoute. Et il a réussi à l'ajouter. Ah, il l'a déjà détecté en iOS. Dans mes tests depuis le stream de la semaine dernière, il avait mis un petit peu de temps. Au début, il le mettait en mode générique. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste le fait que bah, il vient de créer le périphérique. Il a son objet. Il a au niveau graph, pour l'instant, il y a rien en fait. Et en termes de log, il y a juste, eh, au fait, le device vient d'être créé. On peut gérer des alertes, mais pour l'instant, je n'ai rien mis. Et on peut même se rajouter des petites notes. Donc on voit, hein, pour l'instant, c'est pas grand-chose. Le truc, il me dit, j'ai même pas de processeur, j'ai même pas de port. Si je vais comparer avec le premier que j'avais ajouté, le routeur 0 ISP1, bah, on peut voir que là, j'ai déjà des données. Je l'ai même allumé cet après-midi pour essayer d'avoir des graphes pendant que je faisais quelques mises à jour sur la machine. Et là, on peut voir un petit peu. Alors, désolé, ça, hop, ça bouge vite. Mais si je vais dans les processeurs. Ah, tiens. J'ai loupé mon. Ah, si je sais ce qu'il a. Hop. Voilà, et on peut voir là. Alors, je crois qu'on peut zoomer un petit peu, mais je vais pas forcément le faire. Je vais juste. Hop, comme ça un peu. Et là, on peut voir, il y a un petit liseré rouge. Donc la machine utilise un peu du CPU. Donc là, on est sur la première machine. Si je descends, on peut voir là, voilà, en overall trafic, on peut voir qu'aujourd'hui, ben, il y a eu quelques trucs vers midi, il y a eu quelques trucs un peu avant 15h, il y a eu 2-3 bricoles, mais pas oufissime. Et c'est normal, hein. Le Home Lab, la plupart du temps, il est éteint. Hein. Je l'éteins, je ne l'allume que pour l'utiliser, je ne le laisse pas H24 allumé. Et on peut voir, voilà, il a graffé toute la journée au niveau du réseau. Non, toujours rien. Bon, je pense qu'il va falloir attendre quelques minutes pour qu'il se mette à poller, puisque par défaut, il pôle toutes les 5 minutes. Si vous vous rappelez, on va aller se connecter d'ailleurs sur la machine qui fait du LibreNMS, enfin qui exécute le LibreNMS. Donc, c'est celle-ci. Hop. Est-ce que j'avais un. Hop, Temux. Voilà. V3.
Voilà. Alors, est-ce que je peux... Si je fais comme ça, ça passe? Ouais, ça passe. Un peu plus gros, ce sera plus facile à voir. Et bien là, on peut voir que il a pas mal de choses. Il a toutes ces, tous ces systèmes de maintenance. Et on peut voir qu'il a pas mal de choses, hein, notamment le Discovery, les trucs de polling classiques, les alertes, le billing, check services. Donc voilà. Grosso modo, il fait sa petite sauce toutes les 5 minutes pour les trucs les plus, j'ai envie de dire, les plus courants. Voilà. Là, on commence à avoir des informations. Maintenant, j'ai l'info. Donc, on voit, hein, il a récupéré la version de l'OS. Ce qui est chouette, c'est que VIOS a une base. Enfin, une base. Il a, entre guillemets, un... dans son code, il a les informations sur différents types d'OS et la catégorie. Donc, quand je reviens dans mon home et que. Je voudrais revenir dans le home. Bon, on va aller dans le dashboard default, voilà. Et que je vais dans All Devices, on a des catégories. On a une catégorie Firewall et on a une catégorie Network. Donc là, si je clique sur Network, j'ai tous mes routeurs en VIOS. Et si je clique sur Firewall, j'ai. Justement, bah, le firewall qui est devant cette machine desktop et qui est devant aussi la machine LibreNMS, qui est donc le firewall OpenSense, que j'ai d'ailleurs mis à jour aujourd'hui. Voilà, il a un uptime de 5 heures. Et donc, on a pu voir son trafic, on a pu voir les processeurs. Tiens, il a travaillé un peu aujourd'hui. On peut voir qu'il y a eu une petite coupure. Voilà, et là on a des events, et on peut même aller voir hop, toutes les interfaces. Si je vais dans les graphes, dispo, système, netstat, polar, on peut aller directement sur les ports. Et là on a... Ah tiens, il a eu un peu du mal à les afficher, mais si je vais dessus, voilà, il m'affiche des choses directement. Et on a tout... Il a découvert, grâce au protocole SNMP, il a découvert toutes les interfaces. Voili, voilou. Donc là, on vient d'ajouter un routeur avec VIOS. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue en ajoutant le deuxième firewall. Alors, ce que je vais d'abord faire, c'est vous faire un petit rappel sur ce que j'ai au niveau de mon home lab. Et bien entendu, j'avais zappé d'aller sortir le schéma du home lab. C'est ballot. Donc, je vais vous demander un petit instant. Alors, hop, je vais le retrouver ce schéma. Hop, oui, je l'ai rangé, bien entendu. Hop, alors, plutôt celui-ci, voilà. Et voyons voir ensemble, hop là. Donc, là, sur ce schéma, on a les 6 routeurs. Donc, les 6 routeurs sont ajoutés dans VIOS. Et il y a ce firewall-là qui a été ajouté. Mais il reste encore celui-ci. Ce qui va être intéressant, c'est que. Si je regarde en bas, là, les machines qui sont là, c'est là où, justement où il y a la machine LibreNMS. Donc, on est sur une patte interne du firewall. Bon, les routeurs, ils sont un peu en mode à poil. Faut surtout pas faire comme ça dans la vraie vie. Mais là. Ce firewall-là, ça va être sa patte externe qu'on va aller solliciter. Donc on va aller voir en ajoutant le petit comment dire le plugin SNMP et voir si on peut pas aussi le configurer en V3 et autoriser uniquement les flux venant de ce côté-là. Alors, on va aller chercher d'abord la VM qui va bien pour se connecter au firewall. Il met un peu de temps, je me suis trompé dans le mot de passe. Ah non. Il est déjà moins réactif, hein, le. Ouais, définitivement, je vais.
Je vais faire en sorte d'avoir du XFCE sur les interfaces graphiques. Gnome, c'était un peu optimiste de ma part. Hey, bon retour Xavier G. T'as juste manqué l'ajout du dernier routeur dans, dans LibreNMS. Et là, on démarre le deuxième firewall. Enfin, on va ajouter le firewall dans LibreNMS. Donc, dans le système, on a dans firmware, je crois qu'il y a moyen d'ajouter des plugins. Et on peut aller chercher des plugins. Et si je tape snmp, voilà, parfait, je peux l'ajouter. Ah, d'accord. Donc il veut que je mette à jour mon OpenSense d'abord. Ok. Ok. Bah écoute, on va faire ça d'abord, hein. Je me disais que je pourrais le faire, j'aurais pu le faire, je tentais de le faire après, mais bon. Allons-y, hein. Oui, hop, la release note. J'ai compris. Update, allez. 225 mégas, oh, ça devrait le faire. D'ailleurs, ce qui peut être amusant, c'est d'aller regarder, hop, ici... Je reviens dans le dashboard, je vais essayer au niveau des routeurs, network, avec un peu de chance, il va passer par ce routeur-là. Si je fais device traffic, est-ce que j'ai moyen... Est-ce que j'aurais moyen de voir le truc? Là, c'est juste... Non, je pense que je vais aller directement sur les interfaces, sur les ports. Outside, ah bah c'est parfait, il a même pris mes commentaires. Il a pris mes commentaires, c'est génial, donc on va pouvoir les regarder ici. Et en termes de trafic... Ah, real time, voilà, ça va être intéressant. Hop, alors... Je vous retire mon diagramme. Hop, là la workstation. Ah, il vient de rebooter, donc malheureusement il a déjà tout téléchargé. Donc on va plus rien, on va plus voir grand chose. Parce que pour l'instant, ouais, on n'est même pas à 25 kilos, c'est dommage. J'aurais dû le prévoir avant. J'aurais dû le prévoir avant. Alors. Donc, soyons patients, attendons. Ce qu'on peut peut-être faire, pour être certain que, qu'il n'est pas en train de se... d'avoir des soucis, on peut aller regarder au niveau de mon hyperviseur si... Ah bah, bon, le temps que je me pose la question, il est redevenu accessible. Allons-y. Alors, donc là, il est bien passé en 21.7.7. Ça, c'est cool. On va retourner dans le système. Firmware. Bah alors, ah oui, plugin. Et on va pouvoir rechercher à nouveau SNMP et l'installer. Il est vraiment pas permissif en fait OpenSense, hein. C'est, il va obliger à être à jour. Donc, si je vais cette fois-ci dans les services, est-ce qu'il faudrait... Non, je crois qu'il va falloir que je me délogue et que je me relogue. Hop, allez. Ou que je recharge peut-être une partie de la page. Non, juste recharger la page, voilà. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir l'activer. Et sur le listen IP,
J'avais mis quoi dans mon schéma? Je crois que j'avais mis justement son IP. C'est 10.3.1.9. Donc, 10.3.1.9. On va sauver. Et ce que j'aimerais faire, tant qu'à faire, j'ai fait du SNMP v3 sur les VIOS. On va rajouter un utilisateur là-dessus. Et on va bien voir ce que ça donne. Donc, activer username. Bon, on va l'appeler LibreNMS. Son mot de passe, je ne vais pas m'embêter la vie. Pareil pour l'encryption key. Et on ne va pas lui autoriser un accès en écriture. Voilà. Ça a l'air d'être franchement simple. C'est cool. C'est cool. Et ensuite, il n'y a plus qu'à démarrer le service. Enfin, de ce côté-là. S'il veut bien. Remarque, j'ai pas la location et j'ai pas le contact. Location. Bon, on va lui dire Home Lab encore. Et le SNMP contact, et ben on va juste mettre Niels. Hop. Je sauvegarde. Il se lance pas ou... C'est quoi son souci? Si je vais... Non, attends, pourquoi il a... Si je regarde sur l'autre... Si je vais dans NetSNMP, il a le... Ah, il l'a aussi. Alors, il a pas un truc pour vérifier les services. Ça doit être dans système. Dans les diagnostics, à mon avis, là. Si, diagnostic services. Et est-ce que SNMP, on va le relancer. S'il le veut bien. J'ai l'impression que les boutons ne sont plus cliquables. C'est quoi cette blague, hein? Ah, bon, quand même. C'est juste qu'il est loin à la détente. Ok. Une fois que ça c'est fait, on va aller dans le firewall. Parce que oui, c'est bien gentil de d'activer un service, mais c'est pas pour autant que le firewall autorise tout de suite les choses. Donc on va aller dans la partie WAN, puisque c'est là qu'on veut faire des choses. Et il le dit bien, il n'y a pas de règle WAN actuellement définie, donc toutes les connexions entrantes sont bloquées jusqu'à ce qu'on ajoute une règle de type PASS, donc d'autorisation de trafic entrant. On va quand même vérifier les règles automatiquement générées, mais a priori, il n'y a pas de souci, puisqu'il voilà, il autorise le DHCP V6 et le DHCP. Donc, ajoutons une règle. Ça va être du pass. Hop. On va la laisser en quick. One in IPv4 protocol. Hop. Alors, ça va être de l'UDP. La source. Alors... Hop là, rien par là. La source, ça va être une... j'ai pas dû la mettre dans les... ouais, je l'ai pas mise, dans les variables, donc... Donc, je vais aller la chercher, et normalement ça devrait être la 10.2.1.2. Si je regarde par rapport à mon schéma, on parle bien de ce firewall-là. Et il a plusieurs IP, et de mémoire, la principale, c'est la 10.2.1.2. Hey, bonsoir Yurzian. Comment ça va? J'espère que t'as passé un bon week-end. 10.2.1.2, voilà. Non, any... Bon, single... Ah oui, c'est single host, voilà. 10.2.1.2. Et on n'est pas en IPv6, hop là. Ensuite, la destination, bah, ce sera l'adresse one. Hop. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que tu es en plein déménagement. Bah, déjà, quelque part, c'est les vacances, donc bonnes vacances. Ah, les cartons. Le truc qui m'énerve toujours, c'est de faire les cartons. Le truc que j'adore, c'est de les défaire. Hop.
Et voilà, c'est génial avec OpenSense, il n'y a même pas besoin de s'embêter sur à savoir c'est quel port. A priori, pas s'embêter avec le reste, on va faire save. Et on va appliquer les changements. Donc là, normalement, on a fait notre configuration SNMP, on a autorisé le trafic. Juste au cas où, si jamais vous vous posez la question un jour, mince, quel port, enfin, quel est le port attribué à un certain service sur n'importe quelle machine Unix ou Linux, il y a un fichier qui s'appelle slash etc slash services et qui contient plein, plein, plein d'informations. Et si on fait un petit grep SNMP dans slash etc slash services, on se rendra compte que donc SNMP peut faire du TCP, mais que surtout, il est sur le port 161. Oui, c'est relou, mais ça va être tellement cool après. Ah bah ça oui. Ça oui, faut garder en tête l'après. A priori, de ce côté-là, on est bon. Donc, on va maintenant aller voir ici. On va retourner dans notre libre NMS. Hop, on va aller là. Et puis, on va aller dans les devices. Puis, on va faire add device. Et cette fois-ci, on va faire. J'ai dit add device, pas all devices. Add device. Donc, son hostname. On avait dit que c'était 10.3.1.9. SNMP. Cette fois-ci, on va le mettre en V3. Hop. On a. Toujours authentification privacy. L'utilisateur s'appelle toujours LibreNMS. J'ai toujours mis un mot de passe aussi bidon. J'ai un doute sur le fait de l'algorithme de l'authentification et de privacy. Donc on va revenir ici et juste par précaution, on va la regarder dans les services et NetSNMP. On va remonter. SNMP v3 users. Il n'a rien indiqué. Il n'a rien indiqué. Donc on va espérer qu'on est sur les mêmes technos de chiffrement par défaut. A priori, on n'a rien. On n'a rien de spécial là-dedans. On va bien voir. Puis sinon, on ira à la pêche aux infos dans le code source du plugin ou autre. On ajoute notre device et là, roulement de tambour, il ne peut pas le pinger. Je pourrais faire un force add. Je pourrais. Ce que je me dis, c'est que je vais la jouer gentille. On va aller dans le firewall. On va aller dans les rules. Et on va revenir sur le one. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cloner la rule. Alors, pour moi, c'est très simple, hein, le ping, si tu veux. Je pense pas que la machine de toute façon de base réponde au ping en fait. Si je fais un ping vers 10.3.1.9, elle ne ping pas parce que pour moi c'est normal. Mais ok Haribo, on va vérifier. Si je me connecte sur une autre machine, tiens, au pifomètre, on va aller chercher le serveur DNS. Il est où le serveur DNS? Tac 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 tac. Il est là. Ping 10.3.1.9. Bizarre. Pourtant. Alors, c'est une option, mais en fait, pour moi, c'est relativement simple. Hein. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que là, pour l'instant, je vais faire un save. Pour moi, c'est assez évident. C'est qu'en fait, par défaut, quand je regarde les règles par défaut, il n'y a même pas d'ICMP qui est autorisé en entrée, en fait.
Donc pour moi, c'est très clair, hein. Là, on est sur le firewall en question, on arrive à faire sortir le trafic. Il a pu installer comment dire, le plugin NetSNMP. Il a pu se mettre à jour. Il accède au net. Le port SNMP, ce n'est pas 123, c'est 161. Et ce que je voulais faire, c'était rajouter. Je voulais éditer celle-ci. Non, celle-ci. Hop là. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce que je veux faire, c'est. Alors, interface one, direction in. Hop. On va rester en IPv4. Et le protocole, ça va être ICMP, tout simplement. Tac, 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 tac. On va dire save. Et ensuite, on va appliquer les changements. Et si je reviens ici, en toute logique, hop, ça ping. Et voilà. Et normalement, si je refais le test depuis. Tiens, on peut le faire de. On va le refaire depuis notre DNS. Là, ça ping toujours pas. Et c'est normal, puisque je n'ai autorisé le ping à sortir que depuis. Enfin, le ping, je l'ai autorisé à rentrer que depuis le firewall qui est devant le LibreNMS. Donc la 10.2.1.2. Donc on va pouvoir revenir dans notre interface ici et on va pouvoir recommencer. Donc 10.3.1.9, SNMP V3. Hop, on va bien voir ce que ça donne. Si ça se trouve, il y a encore des petits soucis de version de force add off. Allez. Hey! Visiblement, le plugin SNMP, il fait de l'AES et du SHA par défaut. C'est cool. C'est très cool. Et là, comme vous pouvez le voir, pour le moment, il n'y a toujours qu'un seul firewall. Et si je fais All Devices, voilà. Ah, ça y est. Il est passé en. Voilà. Il a juste OpenSense, mais il n'a pas encore la version, bah parce que le temps qu'il récupère les informations. Et maintenant, si je vais dans Firewall, il devrait être apparu. Non, toujours pas. C'est pas grave. On refait All. Et on va revenir dessus. Et voilà, pour l'instant, pas grand-chose. Bon, ben, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais peut-être reconfigurer moi du côté du firewall principal. Hein, on va faire la même. Hein. Donc activer LibreNMS. Hop. On sauvegarde. On revient ici. Et on va même enlever ça. Et le listen. Il est sur quel port, tiens, l'autre? Hop. Donc là, ça c'est le tout neuf. Et celui-ci, 10, 13, 37, 1. Voilà. Je sauvegarde. Et on va aller à ce niveau-là. Et on va relancer le service. Alors, si ça se trouve, il n'y a pas besoin, mais par précaution. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ça, si ça se trouve, je vais avoir un trou. Il va peut-être me faire une alerte. Il va me dire, eh, au fait, il répond plus. Tiens, d'ailleurs, le truc somewhere, je pourrais peut-être le modifier aussi. On va revenir dans les services. NetSNMP. Tiens, je vais peut-être grossir un peu. Voilà. SNMP location home lab. SNMP contact. Ben, c'est Bibi. Tac. Et on va revenir ici. Normalement, il devrait commencer à chouiner au bout d'un moment. Il devrait me dire, et au fait, il répond plus. Parce que je lui ai carrément enlevé toutes les infos en SNMP V2. J'ai enlevé la communauté, donc
J'aimerais bien le voir justement passer en mode. Et au fait, je le vois plus. Pendant ce temps-là, lui, non, pas ça. Hop. Lui, si je rafraîchis la page, est-ce qu'il a des infos en plus? A priori, non. Juste qu'il a été ajouté il y a 3 minutes. Donc oui, bah moins de 5 minutes. Donc pour l'instant, c'est pas suffisant. Non? Il se croit encore accessible? Ah là là. Ah voilà. Donc déjà, on a le nouveau firewall, lui qui commence à récupérer des infos. Ça, c'est cool. Voilà. Bon, pour l'instant, les graphes sont vides, mais au moins, les graphes sont générés. Et ça c'est cool. Ensuite, lui. Donc on peut effectivement faire des choses. Ah voilà, ça y est, là c'est rouge. Là c'est rouge. Ça tombe bien, c'est ce que je voulais montrer. Donc allons-y, on va pouvoir rééditer les informations. Hop, SNMP. Cette fois-ci, V3. Et on lui remet les bonnes infos. Voilà. Et donc normalement, d'ici quelques instants, il devrait revenir. Il devrait revenir en ligne. Bien. Donc ça, c'est assez cool. J'ai pu rajouter la plupart de mes équipements en réseau. Et ce qui est amusant, c'est que maintenant, quand je regarde un peu dans la liste tous mes équipements, alors bon, ouais, il est encore affiché comme étant problématique offline. Mais ce qui est chouette, c'est que maintenant, je peux commencer, si j'ai une quantité d'équipement qui est un peu plus conséquente, je peux aussi filtrer sur l'OS. Sur les versions, sur voilà, les plateformes, les. Alors bon, pour le moment, Home Lab Somewhere, les types de device. Donc il y a moyen d'aller vraiment assez loin dans les recherches et de pouvoir d'un coup d'un seul avoir des informations sur son parc. Ce qui peut être amusant aussi, c'est de rajouter non pas un routeur ou un firewall. Mais une machine classique. Je sais pas si ça aura énormément d'intérêt dans ce cas de figure-là, enfin là pour les j'ai envie de dire pour la démo de ce soir. Mais à partir du moment où vous pouvez configurer NetSNMP sur un système ou tout autre agent SNMP, normalement dans le pire des cas en fait LibreNMS va sortir un template générique en gros. Et y a des contributeurs qui rajoutent des nouveaux templates régulièrement pour certains types de systèmes. Donc maintenant qu'on a la base, on va peut-être essayer de s'amuser un petit peu plus avec autre chose. Puisque ce qui est cool, c'est que donc maintenant je vais pouvoir graffer au niveau réseau. Tiens d'ailleurs, il en était où le. Voilà. Le temps réel qui affiche des choses. Je crois que ça devait être le téléchargement à un moment. Mais ce qui va être super utile, en fait, ces graphes-là, ce qui m'intéressait dans le fait de mettre un LibreNMS, c'était pas juste pour vous dire, tiens, on va installer un système de métrologie dans le lab. C'est que pour celles et ceux qui ont suivi les streams des jeudis soirs sur les thématiques cybersécu et le projet de Botnet Mirai. Ce que je vais vouloir faire dans le stream de jeudi, alors non pas jeudi prochain puisque donc je mets la chaîne en vacances pour la semaine prochaine pour Noël,
La semaine d'après, donc je crois que ce sera le 30 décembre, on terminera le projet Mirai. Et l'idée, ce sera justement d'avoir des machines qui sont infectées, qui sont sous le contrôle du botnet. Et on va lancer quelques attaques de DDoS, bien entendu, uniquement dans le Home Lab. Donc rien ne sortira sur Internet, je ferai pas tomber un site, j'irai pas infecter la moitié des IoT sur Internet, je vous rassure. Toujours est-il que une fois qu'on aura fait cette tentative de DDoS, ce qui sera intéressant, ce sera d'aller voir dans le LibreNMS, eh ben, s'il y a des graphes qui montrent l'augmentation de trafic et les augmentations éventuelles de consommation CPU et mémoire sur les routeurs. Tout ça fait donc partie d'un plan plus grand, si je puis me permettre de dire ça. C'est bizarre, ça a l'air d'avoir plus de classes en anglais, genre It's all part of bigger plan. Alors. Maintenant qu'on a les graphes, ou tout du moins qu'on va les avoir. Ah voilà, il est revenu. Ça le fait quand même, dit en français. Ah, c'est gentil, merci. Merci. Il faut savoir aussi, un truc intéressant, c'est que LibreNMS permet de. Enfin, il a un système de plugins, et on va pouvoir faire joujou avec ces plugins. Et il peut s'intégrer avec d'autres logiciels. Alors, il y en a deux qui vont m'intéresser particulièrement. Alors, je vais vous parler des deux, mais je vais d'abord voir si ce soir on arrive à en mettre un. J'ai pas prévu de faire de troisième stream par contre sur LibreNMS, donc si on n'a pas le temps ce soir, je pense pas que je montrerai, à moins qu'il y ait vraiment une demande, je montrerai pas forcément les deux. Il y a un truc amusant qui est ce qu'on appelle la weather map et qui permet d'avoir une représentation graphique de la plateforme, toute l'archi réseau. C'est pas forcément celui que je vais commencer ce soir. Celui qui va m'intéresser un petit peu plus ce soir, ce sera Oxidized. C'est l'intégration avec Oxidized. Alors, qu'est-ce que c'est que Oxidized et en quoi c'est utile? Et en quoi c'est intéressant comment dire, de le combiner à LibreNMS. Oxidized, c'est un outil qui a démarré comme, je crois, un fork d'un autre logiciel qui s'appelle Rancid, ou en tout cas peut-être une réimplémentation. Et le principe, c'était quoi? C'était d'aller récupérer la configuration d'un équipement réseau pour pouvoir faire de la sauvegarde, d'une part, et aussi de l'historisation et du suivi de changement. Donc en gros, quand on a. Hop, si je reviens ici, quand je fais un show configuration. Ah, mince, c'est pas ici. Hop, show. Ah zut. Hop, exit. Show. Hop. Configuration. Voilà. Là, on voit que j'ai mon fichier de configuration. Mais si jamais j'efface mon routeur ou que, supposons que ce soit un vrai routeur physique et qu'il ait un incident matériel, j'aimerais bien avoir une copie de cette configuration. De même, si un jour j'ai un incident sur cet appareil, même si l'incident n'est pas le routeur qui tombe en rade, peut-être que je vais vouloir regarder qu'est-ce qu'il y a eu comme modification de configuration sur ce routeur pour pouvoir peut-être trouver une piste pour mon incident. Et donc, c'est ce que permettent Rancid et Oxidized. Et là où ça devient très intéressant, c'est que ben, dans LibreNMS, on a déjà tous nos équipements réseau qui sont recensés. Donc, si on peut en plus avoir un petit onglet supplémentaire qui dit voilà la conf, voilà l'historique des modifications qu'il y a eu avec un joli diff en couleur, ben tant qu'à faire, c'est tout, enfin, c'est encore mieux quoi. On a un endroit central pour voir quelque part bah, la santé de nos équipements réseau. Alors, comment on va s'y prendre? Je crois qu'il y a quelque part une documentation. Voilà. Ah non, effectivement, c'est pas un fork, c'est un remplacement à Rancid. Bon. Le projet Rancid est quand même toujours maintenu, hein, à ma connaissance. Bon, en tout cas, il n'a pas été.
Il n'a pas été franchement abandonné. Donc je suis tout simplement sur le GitHub. Hein. Je vais vous envoyer tout de suite le lien. Hop, je vais le mettre dans les liens du live sur le Discord. Hop. Et on va pouvoir aller tout de suite regarder tout simplement la procédure d'installation hein, qui... je l'ai lu tout à l'heure et il y a juste un petit truc qui m'embête en fait dans cette procédure d'installation. C'est grosso modo, bon, c'est du Ruby donc il va utiliser Gem. Mais en gros, il installe quand même, enfin il demande quand même d'installer des outils de compilation. Hein. On a des bibliothèques en version dev et on a le compilateur hein, dans le lot. Donc, si jamais vous voulez faire ça sur une machine de production, j'aurais tendance à vouloir regarder s'il n'y a pas d'autres moyens, d'autres façons de faire. Ou alors de voir si Oxidized apporte vraiment un plus, sachant que Rancid est dispo dans les dépôts Debian, par exemple. Et que je crois que dans LibreNMS, dans la documentation, il a aussi... non, Third Party Integration. Voilà, il peut aussi le faire avec Rancid. Mais pour ce soir, ce sera Oxidized. Où est-ce que j'en étais, moi? Oui, sur le GitHub. Alors, bah on va y aller, hein, de toute façon... Alors, Debian Buster. Ok. Sur Ubuntu, bon, bah, je suis pas sur Ubuntu, je suis sur Debian, donc il n'y a pas besoin de rajouter ce dépôt-là. Donc, a priori, je peux juste installer les dépendances. Alors, là, je suis sur la machine LibreNMS. Sauf que... Ah oui, je vais pas pouvoir copier-coller comme ça. Alors, je vois Ruby, Ruby Dev. Hop, on va faire comme ça. Alors, lib sqlite3-dev. Tiens, pendant que j'y pense, ça me fait penser que j'ai vu un petit truc. Alors, je sais pas si on peut parler de bug au niveau de LibreNMS. Mais j'ai remarqué que je me connecte dessus via son adresse IP et au bout d'un moment, dans les liens, ce n'est plus l'adresse IP, mais le nom d'hôte de la machine qu'il y a dans les liens. Et si on n'a pas le nom d'hôte dans le etc host ou le nom d'hôte déclaré au niveau DNS, ben, on n'arrive plus à accéder au truc. Zlib g-dev et g++. Et ben ça en fait des choses, 339 mégas, allez. J'en profite pour vous signaler que depuis quelques semaines, j'ai réussi à être assidu au niveau de l'envoi des replays sur YouTube. Donc si jamais il y a un stream que vous voyez pas, enfin, genre pas en totalité, genre vous arrivez après le début ou vous partez avant la fin, et que vous avez envie de revoir ce stream ou un autre, vous pouvez aller les regarder sur ma chaîne YouTube, dont le lien est normalement dans la page de ma chaîne Twitch, tout simplement. Visiblement, je crois que j'ai des petits soucis avec le Streamlabs. Faudra que je regarde parce que j'ai l'impression que mes commandes ne fonctionnent plus. Bien, donc ça déjà c'est fait. Ensuite, on va installer la totale. On verra bien ce que ça donne. Bah, de toute façon, pourquoi je copie-colle ? Hop. Alors, gem install oxidized-script et Oxidized, on a dit tiret web. Donc visiblement Oxidized a sa propre interface web.
Ah. Ouais, donc là, il a voulu builder des choses. Erreur. Pourquoi? Pourquoi tu me fais une erreur? Est-ce qu'on peut remonter? Non. Alors. Ah, c'est juste qu'il a pas fait la truc en natif. Bon, on va voir si ça marche. Hein. Et une fois que ça c'est fait. Ah, j'aurais pu le mettre en docker, ok. Et ensuite, normalement, on a etc oxidized. Non, ah, j'ai pas. Ah, faut le créer, d'accord. etc slash oxidized. Et donc, il y aurait un fichier router.db. Et il y aurait quoi dedans? Ah, configuration. Ah, faudrait que ça. Non, c'est un fichier de config, d'accord. Et là. Hey, bonsoir, Jeu 42. Bienvenue sur le live. Alors. La configuration. Donc, c'est du YAML. Ok, c'est cool. D'a priori, ce sera dans. Plutôt. Hop, config. Donc a priori, lui, il recommande de créer un utilisateur qui s'appellerait Oxidized. Ouais, ok. Ok. Ah non, c'est un fichier qui s'appelle config. Ok. Donc... Hop. Alors, bon, bah, user add, hein, allons-y. Hop. Alors. Il suffit de lancer Oxidized, d'accord. Et si je l'ai pas... C'est que, effectivement, il a dû... si je relance... Non, il me rebalance des erreurs. Alors. Non, pas screen dump. Hop. Ah, je me suis trompé. Ah oui, c'est... Ah oui, oui, fatalement... oui, ok, je vois. Alors. Ah là là. Donc, j'aime install oxidized script. Tiens, je vais l'installer d'abord juste celui-là. Ok. GNU make required. Donc déjà, il y a un souci, ne serait-ce que pour le premier. Alors. Qu'est-ce qu'il me dit ? Fail to build gem native extension. Ok. Gmake. Ah, mais en fait, c'est parce qu'il n'y a pas Gmake. Bizarre, je pensais. Pourtant, dans les dépendances. Ouais, installer les dépendances. Il y avait CMake. Bon, étonnant. Allons-y, c'est reparti.
Ah, là c'est mieux. Là c'est mieux. Ça pourrait être une idée. Si je me refais une erreur, ce sera ma prochaine option, effectivement. Le fameux métapaquet Build Essential qui permet d'installer tout ce qui permet pour faire normalement des compilations sur une Debian. Je voudrais juste vérifier qu'il travaille. Il travaille. Load 1.33. Et il y a un compilo qui est en train de tourner. CC1. Donc c'est plutôt bon signe. Il n'est pas très verbeux, mais on le voit travailler. Il pourrait se servir un petit peu plus dans le CPU, mais bon. Allez, courage. Si ça va y... Ah bon. Ah si ça y est, il est en train de faire du rubis. Voilà. Il installe un paquet de dépendance quand même, hein. Ça, c'est pas toujours très rassurant quand on voit des choses comme ça dans les dépendances de certains logiciels en mode hey, au fait, il y a une dépendance qui a atteint son end of life. Alors, j'ai une blague. J'ai une blague. J'ai mon clavier qui vient de s'éteindre. Ok. Je l'ai rebranché. Ah, en fait, c'était un peu débranché. Je l'ai rebranché. Et il m'a pas fait de bizarrerie avec l'USB. Fiouf! D'ailleurs. Alors. Non. J'ai dit hop. Comme ça. Voilà. Alors. Ça, c'est chouette. Donc, normalement, si j'en juste. Voilà. Là, maintenant, on a des choses. Ça, c'est cool. Alors. Eh ben, on va éditer ça, hein. Et ben, il y en a des choses. Alors. Maintenant que c'est installé, si je vais voir du côté de la documentation de LibreNMS. Alors. Donc, on a installé. On a fait la documentation d'installation. Ensuite. Il faut aller dans l'interface web de LibreNMS et aller dans les settings oxidized. Dans external settings. Alors, global settings, déjà d'une. Global settings. Hop. Et ensuite, il disait quoi? Il disait dans external oxidized. Alors, external et oxidized. Ah, l'intégration, elle est bien. Hop. Et ajouter l'URL. Bon, bah, alors, mon avis, l'URL, ouais, ça risque d'être très fortement 127.0.0.1. Parce que par défaut. Non, pas ici. Alors, je vais enlever ça. Ça, on n'en a plus besoin. J'étais ici, en fait. Et a priori, par défaut, oui, c'est 127.0.0.1.8888. Donc. Voilà. Nous, on va vouloir du versionning, effectivement. D'accord, donc a priori, LibreNMS, en fait... Il va tout gérer, il n'y aura plus besoin de configurer.
Et il y a même moyen de le faire... Ah oui, d'accord, dans les configurations. Ok. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que Oxidize est vraiment lancé? J'ai pas l'impression. Et oui, tu vas pouvoir backup tes switch microtiques, Dashi. Alors. Donc a priori, là, j'ai rien. Mais est-ce que... Si je reviens dans la documentation... Extra... Oui, bah il y a des gens... Oui, bah, ils veulent de l'aide, fatalement, mais... Est-ce qu'il y a moyen de démarrer? Alors. Hop, l'index, il dit quoi? Installation. Configuration initiale, configuration... Configuration avancée. Ah bah en plus le forum, un user forum qui est fait par les gens de LibreNMS. Donc voilà, si jamais en plus vous avez besoin d'aide... Ça, c'est pour des extensions, c'est ça? Ah. Ouais. Ouais, ça a l'air d'être un peu la même... Ouais, ça a l'air d'être la même chose. Hop, on va revenir là. Parce que là, le truc, ok, j'ai lancé Oxidize une première fois, mais il fait rien. Si je vais dans mes équipements, donc maintenant je dois avoir, voilà, j'ai un onglet à config, ça c'est cool, mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. Donc il manque des infos, j'ai l'impression. Non, c'est pas celui-là. Trompé de... C'est à ce niveau-là. Starting. Il a crashé. Ok. Nos sources CSV config. Ah, donc il faut lui dire quand même d'aller faire des choses. Ok. Alors attends, pourquoi il... Il y a un truc qui me perturbe. Ça on l'a, ok. Qui nous a dit nos sources CSV file config edit. Le source file CSV. Ah d'accord, le router.db. Il faut créer un router.db, ok. Non, attends. Router.db, route.config oxidize de router.db. Ah zut. Hop.
Alors, point, on a dit point config oxidized router.db. Voilà. Et là, je peux lui dire 10.1.0.1. Et comme ça, et ce sera, bah du coup, ce sera du VIOS. Et je peux lui dire 10.13.37.1 de point VIOS. On va essayer déjà ces deux-là. Et si je relance le truc... Non, il recrache. VIOS not found. Ah. Model field. Ça m'a l'air bien, ça. Parce que si ça se trouve, le truc s'appelle encore Vayata. Ouais, c'est ça. Donc ils ont le même truc pour les deux... l'ancien Vayata et le nouveau VIOS. Ok. Ah. Ok, ça c'est cool. Ah, il essaye de se connecter en SSH. Ok, donc il faut vraiment que je lui donne... ok. Hop, donc en fait, il va se connecter en SSH. Très bien. L'autre question que je me pose, c'est... si je vais voir... il a un OpenSense dans sa DB. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Bon, allez, hop. On va te couper. Ah. Hop là. Alors là, il y a écrit username, password. Et il n'y a pas moyen de lui dire pour certains trucs, tu fais ceci. Modèle map, ok. Parce qu'il disait quoi? J'ai un truc de log normalement. Ouais, j'ai rien dans les logs, ok. Ah, il disait user. Ouais, donc il a vraiment tenté username et. Alors ça m'embête un peu parce que moi je n'ai pas mis tous les. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que je crée un utilisateur oxidized ou est-ce que j'utilise un utilisateur LibreNMS? Quelle serait la bonne méthode? Ou alors je fais mon gros goret et je fais un route. Parce que de toute façon, j'ai l'utilisateur... alors il y a l'utilisateur VIOS sur les machines VIOS, il y a route sur les firewalls. Est-ce qu'on y va en mode à l'arrache ou est-ce qu'on essaye de faire les choses propres? Alors, ce qu'on peut peut-être faire déjà, c'est que... Non, c'est pas celui-là que je veux, c'est router.db. Et éventuellement, ce qu'on va pouvoir commencer par faire, c'est... Oups, on revient par là, toi. Non, pas celui-là. On va aller. J'avais pas toutes mes. Hop. Bon, finalement je. Alors, si je fais all devices, on a normalement toutes les IP. Donc 10.13.37.1, c'est bon, je l'ai, il est là. Voilà. Ah, et puis en plus c'est pas un Vayata celui-là, c'est un OpenSense. Je m'étais trompé. Hop. Ok, ben bon bon repas, bon appétit Yorzian. Et bon courage pour tes cartons.
Hop là. 10, 2, 1, 1. Hop. Oup là. Ensuite, 10, 3, 1, 1. On avait 10, 4, 0, 1. Le 5, c'est 10, 5, 0, 1. Et le 6, c'est 10, 6, 0, 1. Hop. Et ensuite, le firewall, c'est 10, 3, 1, 9. Alors, ce qui va se passer déjà, c'est qu'il va falloir encore rajouter des autorisations. Hop là, voilà. Il va falloir encore rajouter des règles de firewall côté firewall en 10.3.1.9. S'il va se connecter en SSH. Pouf, pouf, pouf. Est-ce qu'il y a moyen de gérer... Si jamais je vais chercher gentiment sur internet et que je fais OpenSense Oxidized. Ouais, bon, on revient sur ça, ok. Minimum required permission system shell account access must be enabled SSH and password based SSH access. Ok. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. Je vais revenir dans mon firewall ici. Et on va aller dans le système. Et on va... Alors, configuration, non. Access, users. Alors, on crée un nouveau. Puis bah tant qu'à faire, on va l'appeler Oxidize. Hein. On va faire propre. Enfin propre, façon de parler, parce que le mot de passe, hein, je vous cache pas. Non, je vais mettre password. Comme ça au moins. Quitte à faire full name, email, ça on s'en fiche. Login. Login shell. Bon, on va lui mettre SH. Hein. Hop. On va pas lui mettre dans le membre des certificat. Non. Ok, save. Voilà. Ok. Et ensuite. Et ensuite ça devrait suffire. Require system shell account access. Donc si là maintenant je vais ici, que j'ouvre un nouvel onglet de terminal et que je fais un SSH. Oxidized at 10.13.37.1. Et que je mets password. Il en veut pas. Je suis bien sur le bon. Ouais, bon, c'est ça, c'est la même IP. Alors si je le tente, en 10, 13. 31. Non, il en veut pas. Donc, il lui manque un truc. Alors, il s'appelle bien Oxidized. Eh, mais vous êtes 17 ce soir! Vous êtes nombreux, c'est chouette! Ça fait plaisir! J'espère que ce que vous regardez vous intéresse. Je veux pas qu'il soit admin. Effectif privilège. Ah, ça doit être ça. Voilà. Et donc, dans les privilèges, tout ce qu'il lui faut, c'est System Shell Account Access. Donc. Shell. Non. Shell. Oh là. Shell. Non, je veux pas. Alors, qu'est-ce qui. Diagnostic. Firewall interface.
Status, système. Système, user management, non. C'est moi le truc qui est pas... Alors, système setup wizard, admin access, non, non, non. On a dit quoi? Système shell account access. Ok. C'est fou ça, il est où? Ça a l'air d'être rangé par ordre alphabétique, mais j'ai système settings cron, système static root. C'est quoi cette blague? C'est quoi cette blague? Ah mais c'est dans la GUI. Ouais, c'est dans la GUI. Bah mince alors. Là, je vois rien. Pas de soucis, Haribo. Merci d'être passé. Bonne soirée à toi. Système. Merci, c'est gentil. Ah, c'est fou, ça, quand même. Parce que, bon, de toute façon, c'est vite vu. Hein. Si on regarde route, c'est... Allez, on les regarde un par un. Mais là, c'est que des trucs de la GUI, en plus. C'est que des trucs de la GUI. C'est dingue, ça. Username, aussi, dit Z. Hop là. Ok, donc l'OTANT marche. Et il est membre d'aucun groupe. Ok, donc ça se trouve, faut peut-être le mettre dans un groupe. On va l'appeler robot. Hein. Ah, remarque... on va l'appeler robots. Juste par précaution. Voilà. On va rajouter Oxidize dedans. Save. Ok. Ouais, mais c'est vrai que voilà, Root il fait partie des admins, donc si je l'édite, de toute façon, il a accès à tout. Hop, revenons. Je suis tenté de vouloir lui mettre plein de trucs, mais dans ce cas-là, c'est moche. Ouais, parce que là, c'est vraiment les... c'est juste les pages, en fait. Alors, est-ce que... settings, administration. Login group, voilà, wheels, admins. Permit root, permit, ok. Ok, est-ce qu'il y a moyen... Ah mais moi je veux quand même garder admins. Je vais quand même pas rajouter Oxidized au groupe admins. Bon on va tenter, on va bien voir ce que ça donne. Hein. Je
Not member of. Hop. Save. Donc là, fatalement, ça marche. Alors. Ok, si j'ai le mot de passe, par contre, il... ok. Mais effectivement, j'ai pas un accès... Ok, maintenant, la question que je me pose, c'est si je fais... Hop, je passe sur un... comment dire, une page en mode... comment ils appellent ça? Comment ils appellent ça? Private browsing, ok. Donc si je retourne sur cette page-là et que je tente de me connecter avec l'utilisateur Oxidize, la question c'est est-ce que j'y arrive? Bah ouais, j'y arrive. Ça m'enquiquine un peu quand même. Parce que moi, je veux un utilisateur qui a que d'un accès lecture seul. Alors. Ouais, c'est ça, oui. Bah oui, fatalement... ceci étant dit, je le retire du groupe admin. J'ai créé un groupe qui s'appelle Robots. Est-ce que dans ce groupe, je peux l'éditer et lui dire il a des privilèges? Oui, je peux lui dire. Alors, attends, est-ce que je me suis trompé de... Mmh. En fait, là, c'est que des trucs de la GUI. Parce qu'après tout, moi, je veux juste un shell, hein. Je veux pas... Remarque, il me faudra quand même des droits, hein. Ouais, mais quand même, le mettre dans le groupe admin... Bon, visiblement, je suis pas le premier à me poser la question, hein. Donc ça, j'ai créé un nouveau groupe, effectivement. Will Remote Access. Ok. Bon, je vais le tenter. Pour eux, c'est comme ça que ça doit se faire, pour lui, en tout cas. On va regarder peut-être un autre truc. Ouais, si, c'est ça. C'est ça, ok. C'était où? Système administration. Système administration. Hop là. Voilà. Et ensuite... À ce niveau-là, au lieu de dire Will et Admins, Will et Robots. Et je save. Et donc là, si je recommence, est-ce que lui... Lui, il a plus rien, voilà, il a plus le droit d'y accéder. Si je reviens ici et que je tente de me connecter, c'est bon. Voilà. Donc déjà, ça, c'est fait. Ce que je vais peut-être faire, pendant que j'y... Ouais, non. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller rajouter un deuxième utilisateur en SSH à un routeur VIOS.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le routeur le plus proche. Hop. C'est-à-dire qu'on va prendre celui-ci, le 10.2.1.1. Donc normalement, si je me connecte SSH VIOS at 10.2.1.1. Ah bah oui, alors déjà, il va falloir que j'active SSH. Allez hop. Donc, c'était le routeur 2. Le routeur ISP2, autant pour moi. Hop là. Hop. Voilà. Configuration. Allez, donc fatalement il va falloir que je lui dise d'écouter sur un port, mais ce sera le port 22, 7 service, multiple adresse, ok. Donc le voici, on va le mettre là, hop, la documentation, on va se la mettre à gauche, hop. Alors docs.vios.io, hein, c'est vraiment le truc, j'ai envie de dire, quand on se pose des questions sur VIOS, la première chose à faire, c'est regarder la doc. Hop là. Allons-y. Alors, ce que je voudrais voir d'abord, c'est la conf. Si je fais déjà un generate. Non, j'ai pas. Ah, faut être dans le. Hop, comme ça. Server key. Ah bah non, je veux pas, j'en ai déjà, c'est cool ça. Ici je fais un restart SSH. Service SSH not configure. D'accord, donc il faut vraiment le configurer. Hop là. Pourtant si je fais un show configuration. Est-ce que j'ai un truc à un endroit qui me dit service SNMP, ok. Ouais, j'ai même pas de service SSH. Hop. Donc, on configure, hop, set service SSH. Alors la question que je me pose, c'est déjà, est-ce que je vais avoir, est-ce qu'il y a un enable ou pas? Non, c'est juste... Allez, port 22. Non. Voilà. On va faire le listen address. Donc ça va être 10.2.1, je pense, sur celui-ci. Voilà. Et si je fais un commit... Est-ce que cette fois-ci ça suffit ou est-ce qu'il faut que je rajoute les ciphers? Alors, voilà. Donc là, je suis sur le switch et je suis en. Je suis en utilisateur VIOS, donc maintenant je vais pouvoir rajouter un utilisateur. Et ça c'est cool. Donc j'ai laissé pas mal de paramètres par défaut, mais... Hop, alors, user. Comment on ajoute un utilisateur là-dedans? User management. Parfait.
Et si je fais VIOS Oxidized, si je cherche les droits minimums à lui mettre. Donc ok, il donne des informations, mais... Bon, on va tester. On va lui créer un... On va créer un utilisateur et on va voir quel droit il va avoir. Donc... On est en set system login, donc on va l'appeler oxidized. Et full name, bah on va l'appeler oxidized. Hein. Non, ça marche pas. Name. Set system login. Ah, user, j'ai oublié le nom de l'utilisateur. User. Oxidized. Hop. Et full name. Hop. Voilà. Ensuite. Plain test password et je mets password. Ok, d'accord, on peut rajouter une public key. Ok, ok, c'est cool. Le commit est en cours, on sauvegarde et maintenant la question c'est est-ce qu'on peut se connecter oxidized arrobase. On avait dit 10.2.1.1. Hop, 10.2.1.1. Donc ça marche. Si je fais un configure, il m'autorise le configure. Ça m'enquiquine un peu. Set system login user, ouais bon ok, ça c'est la manière de les authentifier, ok. Et y a rien pour leur donner des droits genre uniquement serial console, host information, ok. Donc ça, c'est le user en local ou en radius. Ouais, a priori, on crée un utilisateur, il est admin. Point barre. Je suis pas forcément très... Non, je suis assez d'accord, c'est pas top. Hein. Alors, on va chercher avec le mot-clé privilège. Ah, voilà. Inkb. Alors. Si, on peut mettre un level. Ok. Donc a priori on peut mettre un opérateur. Ok. Allez, c'est parti. Set system. Ok. System login user oxidized. Hop là. Oh là. Oxidized. Voilà. Et il faut lui mettre level et... Non. Hop. Si j'ai mis mon username. Ça c'est très bien, je le veux qu'il soit justement opérateur. C'est parfait. Tiens, là il veut pas. Non, non.
Full name authentifié. C'est système, set système login, ouais. User, ok. Je veux oxidized. Mais là, j'ai pas le level. C'est quoi cette blague? Faut que je sois ici? Alors. Parce que là, si je fais un set système, si ça marche. Non, mais c'est pas ça. Configure. Hop. Set système login. Oups. Login, donc user. Je veux que ce soit oxidized. Et il n'y a pas de level, c'est quoi cette blague? C'est une limitation de la version gratuite? Oula, ça a l'air d'être vieux. Mais c'est du Metasploit, ok. C'est pas ça qui nous intéresse. En tout cas, pas ce soir. Ça c'est le. Ouais, ça c'est le. Ok, ça on l'a vu. Donc VIOS, on va dire 1.4 user operator. Il y a un user management, ok, mais ça on l'a déjà vu. Ah, c'est une feature legacy. And will be removed. Donc le niveau opérateur a été retiré. Ok. Parce qu'il y avait moyen de s'échapper du shell. Ok. Donc il y avait moyen de faire de l'élévation de privilèges. Donc ils ont retiré le truc. Mais ok, ils ont mis autre chose à la place ou... C'est quand même dommage. Alors. Ok. Ouais, donc en fait, j'ai comme l'impression que... En fait, ouais, il a l'utilisateur oxidized, il est full access, il est admin et je peux rien y faire. Ah, c'est frustrant ça. C'est frustrant. J'espère quand même trouver un truc un jour parce que... Ah. Non, ça c'est l'autant via Radius. Login banner. Bon, bah ouais, effectivement. Bon, bah dommage. Dommage. On va devoir le laisser comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici. Et... ce que je vais peut-être faire, c'est que on va laisser celle-ci, ok. Celle-ci, on va les enlever. On va en mettre deux, ce sera déjà pas mal pour ce soir, je pense. Ouais, donc fatalement, il est encore en username. Ok, ça va, j'ai compris. Ici, username oxidized. Hop. Et le mot de passe, password, c'est bon. Modèle, bon, on va laisser le truc sinon par défaut.
Hop, et on recommence. Ok, donc là normalement il a récupéré les confs. Ça c'est cool. Ça c'est très cool. On arrive à quelque chose ce soir. On arrive à quelque chose. Wouhou! Alors. Maintenant, si je reviens dans ma config ici. Tu m'affiches un truc? Ouais, tu m'affiches un truc. Eh, il a la conf. Il a chopé la conf. Petite danse de la victoire! Wouhou! Alors, ce qui est assez marrant, ce qui est très 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 marrant, c'est de voir la manière dont il gère en fait le backup quelque part de conf. Et vous voyez quand je suis ici sur le routeur et que je fais, je me, hop. Si je fais un show configuration, vous voyez qu'en fait il me fait un truc un peu, comment dire, on dirait un truc qui ressemble à du JSON, du YAML ou un truc un peu structuré. Vous voyez, genre on a l'impression qu'il me fait un less sur un fichier avec des choses. Et là en fait ce qui est assez amusant c'est qu'en fait il me donne juste les commandes. Il me donne toutes les commandes. Donc je trouve ça assez marrant. Et donc, tiens, ce que je vais faire maintenant, c'est que si on regarde dans la partie SNMP, on voit on a un SNMP Location Home Lab. Donc je vais en profiter pour le changer, tiens. Donc, je fais un configure. Hop, je fais un set service SNMP location. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre home lab. Et on va faire tiret. Et là, cette machine, c'est le routeur ISP2, donc ISP2. Et hop. Voilà, je commit, j'ai dit je commit. Je commit. Et je save. Donc en théorie, alors non, c'est je vais pas cliquer sur les sessions BGP. Hop. Ouais, il a fait un refresh. Alors la question c'est au bout de combien de temps est-ce qu'il va aller récupérer la conf et qu'il va me mettre autre chose que juste HomeLab ici. Parce que c'est ce qui nous importe en fait. Voilà, il l'a pris en compte. Il l'a pris en compte. Maintenant, ce que je voudrais voir, c'est est-ce qu'il est capable de nous faire un petit diff avec des couleurs? Non? Alors, est-ce qu'il y a moyen d'aller regarder dans les settings? On avait dit external, oxidized. Pourtant, j'ai un versioning. Requires git backend. Ah. Ah. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je mette un backend git à oxidized. Je pense que on va être un peu short pour ce soir. Pour mettre un backend git. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller peut-être jeter un œil à une autre machine qui du coup est notre firewall, hop, qui est donc celui-ci. On va aller regarder config. Et ce qui est intéressant, c'est que
Autant du côté de iOS, on avait des commandes, et là, on se rend compte qu'en fait, OpenSense, lui, sa configuration, il la stocke dans un genre de fichier XML. Avec non seulement une description, un truc qui s'appelle tunable et un truc qui s'appelle value. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut retrouver l'utilisateur Oxidize là-dedans? Oui, on peut. On peut. User, hop, donc on a son mot de passe avec l'encodage. Tiens, on a même le mot de passe root ici. Alors ce qui est marrant, c'est que on a. Donc on a le format du mot de passe, on a le grain de sel, et ensuite on a le hash du mot de passe. Donc user, oxidize, donc on a les descriptions, son expiration, ses clés si besoin, l'UID. Hop, la configuration des serveurs de... Donc ce qu'on pourrait même envisager, par exemple, si on veut mettre en place... un prochain firewall en OpenSense, si on veut aller plus vite, on peut très bien prendre ce fichier XML, aller juste faire des modifs, installer notre OpenSense, et au premier login, on va dans la partie configuration, on va lui dire tiens, j'ai une configuration à t'uploader, hop, on lui upload, et c'est parti. C'est quand même classe, non? Dans le genre déploiement clic-clac 2 secondes comme ça, ça peut être sympa. Ah, et puis vous voyez, on a même vraiment les... voilà, on a les règles. Toutes les définitions. Voilà. Tout, 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 tout. Alors par contre, enfin, quand je dis tout, 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 non, pas tout. Parce que si jamais on va sur le firewall lui-même, configuration backup. Et là, on peut télécharger un backup de la conf. Et on a des possibilités en plus. On peut le dire de sauvegarder les données RRD. Donc, les données RRD, c'est justement ce qui va lui permettre de faire ses propres graphes. Quand je suis... Alors, non, c'est pas dans le lobby, c'est dans reporting. Hop. Vous voyez, là, il a son propre système de graphes. Hop. Et là, si je vais dans le... Donc voilà, ça, il utilise... Alors là, je pense que c'est du temps réel et c'est pas du conservé, mais il est capable de graffer ça et de le garder. Et en fait, le format pour ce qu'on appelle la série, la time série, bah c'est ce qu'on appelle du RRD. Donc c'est ce qui est utilisé historiquement justement par RRD Tool. Bien avant lui, MRTG et Cacti historiquement, et qui visiblement est aussi, je crois, utilisé par LibreNMS, si je dis pas de bêtises. Voili voilou. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir, parce que si je me lance dans le backend Git, à moins que ce soit vraiment rapide, je pense que je risque d'y passer longtemps. Si je fais oxidize git backend, ça va donner quoi? Alors, pas ici, hop. Oxidize git backend. Alors GitLab storage, non? Alors, il y a des gens qui arrivent à le mettre carrément dans un GitLab. Ah bah. En plus, hop. Voyons voir ça. Merci beaucoup, en tout cas, Dashi, pour le tip. Alors, ça utilise libgit2, ok. Ouh, non, je peux pas... Ouais, mais à la limite, c'est pas dramatique. Oui, 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 oui. Très, très certainement.
Bon, on va le tenter vite fait. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Je vais pas passer deux heures dessus. Hein. Hop, allez. Donc, là-dedans. Hop là. Je dois avoir un truc output. Ouais, default file, effectivement. Donc, git. Bon, bah si ça t'a pris moins de 10 minutes, Dashi, allons-y. Voyons voir ce que ça donne. Allez, git 2. User. Ah, mais alors attends. Je suis en train de penser à un truc. Ouais, on va. Use groups and a single repository output. Parce que moi je veux juste le laisser dans un. Ouais, bah on va faire juste comme ça. Allez. User. Que je vais faire, c'est que je vais le mettre justement dans slash root slash point config. Et lui, il le met devices.git. Allez, devices.git, c'est très bien. Voilà. Et si je relance le truc, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai mon devices.git, il est fait. Non, c'est des points config. Hop, git status. Ah oui, worktree. Oui, effectivement, c'est un git bear. Effectivement. Git ls files. Allez, soyons fous. Ouais, ok, c'est cool. Il y a ce qu'il faut dedans. Maintenant, là où ça va devenir vraiment sympathique. C'est si je vais ici et que je vais dans... Je vais retourner sur mon VIOS. Devices, network, VIOS. J'ai ma config. Ok, j'ai ma config. Et on va aller la modifier. On va aller la modifier. Alors... Qu'est-ce qu'on peut modifier si je fais un show configuration? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Tiens, éventuellement, je vais lui rajouter un serveur NTP, tiens. Set système NTP serveur et puis on va rajouter 3 points, je dis point pool point NTP point org. Je commit et je save. Hop, je reviens ici. Donc là, normalement, en termes de NTP, j'ai 0, 1 et 2. Donc là, il faut que j'attende gentiment qu'il aille s'occuper de la...
Parce qu'à mon avis, il doit poller à intervalles réguliers ou... Si je fais un petit refresh. Ah oui, comme ça, il sync lui-même. Ok. Ouais, c'est ça. C'est soit je lui... soit je lui fais... Si je refresh à la main, soit il le fait de manière... Bon, je pense qu'il me manque des trucs sur la partie... sur la partie, justement, tout ce qui va être... démarrer le truc avec le système et rajouter un cron, peut-être, pour les confs. Ah, voilà. Là, j'ai le 3. Bon, ça, c'est l'édition de la conf. Et j'ai rien pour voir le diff. Hein. Alors, si je reviens dans les settings. Bon. Bon. Dommage. Ah, je m'attendais... Bon, c'est pas grave. Au moins, il a tout ce qu'il faut dans son. Ah, il a mis à jour les confs. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Si ça se trouve, il manque encore un truc, mais déjà, on arrive à récupérer les confs et d'avoir au moins la dernière. Donc ça, c'est classe. Bien. Bien, 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 on va en rester là pour ce soir. Donc, pour rappel, semaine prochaine, la chaîne est en vacances, donc pas de stream. Prochain stream, donc, ce sera jeudi 30 décembre, où on terminera le projet Botnet Mirai. Et on commencera la nouvelle année avec un stream, donc, le dimanche... le dimanche 2 de janvier. Et pour le moment, alors j'ai une petite idée de ce qui va se passer, dans le stream du 2 janvier, mais je vais vous laisser mariner encore un peu pendant les vacances. Je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, enfin en tout cas au moins un joyeux Noël si vous le fêtez, et si vous le fêtez pas, bah, profitez du jour entre guillemets off, même si cette année c'est un samedi. Hey, salut Jalador. Bah merci, bah, bonne fête à toi aussi. Je vous donne donc habituellement rendez-vous les jeudis à 20h et les dimanches à 18h. Merci Xavier, joyeux Noël et bonne fête à toi aussi. J'espère que vous avez apprécié de passer cette année avec moi, ou en tout cas une partie de cette année avec moi. Moi ça m'a bien fait plaisir, donc j'ai commencé à streamer justement début janvier 2021. Merci, bonne soirée à toi aussi, Juju42. Donc moi ça m'a bien fait plaisir, j'ai la pêche, j'ai des idées pour démarrer l'année 2022 sur des chapeaux de roue. Merci pour le follow, c'est super gentil, merci beaucoup. Donc ouais, va y avoir encore pas mal de geekery, pas mal de bidouilles sur du Linux. J'ai des projets, notamment il y a un petit truc qui devrait arriver, alors je vais faire un peu de teasing, hein, ce sera en février. Il y a des chances qu'il y ait des streams en février qui soient plutôt sympas, en tout cas j'espère. Donc soyez là au rendez-vous, il y a moyen que ça vous plaise. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine sinon. Allez, ciao.